J'ai si peur du futur, je regarde autour de moi, je ne vois que des ordures, des gens qui s'entretuent, des siècles que ça dure. On a peur mais on se rassure, de toute façon la peur fait vendre dans ce bas monde où se marchande les riches beaucoup plus riches, les pauvres encore plus pauvres. C'est pas la faute à la crise, mais à la malveillance des hommes. Comment tu veux que ça avance quand on nous traîne plus bas que terre? Faut croire ça tombe dans un sens quand on parle à faire. Quand t'as rien, tu bosses, tu trimes, t'auras beau viser plus loin, t'iras jamais plus loin que le SMIC. Triste constat, mais comment ne pas être contestataire dans un monde où seul compte le pouvoir, l'argent et la guerre. J'ai vu les tours s'effondrer, puis les hommes s'affronter, la TV prêt à tout nous montrer, les politiques nous tromper, des jeunes effrontés, des voitures brûlées, puis des stars de télé-réalité adulées. Voilà l'univers ambiant et tous ces faux semblants. Une désinformation massive assis derrière le petit écran. Génération high-tech, nos petits grandissent avec, on leur comprime la tête, mais personne trouve ça gênant. Une jeunesse à la dérive, on compte plus les dérives. Au tribunal en récidive, pour un énième happy-stapping. Comment tu veux que ça marche derrière ces histoires de fric? On nous impose les choses pour qu'on pense tous à l'identique, ouais. Bienvenue dans le monde moderne, tout le monde se planque derrière un modem. Prennent les stars de ciné comme modèle, tous à la même enseigne. Facebook, Twitter ou MySpace, y'a plus d'échanges entre les hommes. On se parle tous en virtuel, car l'homme est mauvais par nature. Préfère détruire que de sauver, c'est dans sa nature. Une déforestation massive au profit de l'huile de palme. Consommation abusive quand les plus faibles crèvent la dalle. Mais comment rester impartial? On préfère rien dire, rien voir. C'est plus facile de se dire qu'on pouvait vraiment pas le savoir. Astronomie, conquête spatiale, ou comment faire la guerre Haïti quand on a déjà tout pris à l'Irak? Massacre, génocide, droit de l'homme bafoué, dictateur en exil. Dites-moi comment rester lucide, des gens meurent mais tout le monde s'en fout. Tant que ça arrive au leur et que ça gâche pas le match de foot, tout le monde s'en fout. J'ai beau croire en demain, mais je peux pas croire en l'être humain. Comment rester passif quand on finance des armes de destruction massive? Malaise social, crise mondiale, baril de pétrole qui s'enflamme, réchauffement climatique, gaz, effet de serre. Comment rester statique face à tant de misère? Ça nous empêchera pas de dormir, pire, ça nous empêchera pas de nuire aux sphères. Du fric sur le dos de ceux qui se cassent le dos. Y'a plus d'amour que de la haine, ça passe en boucle sur toutes les chaînes. S'imprime dans la rétine, à force on sent même plus de la peine. Y'a pas de secret, on récolte ce que l'on sait. Voilà ce qui arrive quand la folie des hommes se déchaîne.